Bonjour à tous les amis, bienvenue et bon réveil avec nous ce matin sur les ondes de la Radio Arc-en-Ciel. Et merci de nous suivre également sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 novembre 2021 et nous disons bonne fête Geoffroy et bon anniversaire si vous êtes né le 8 novembre. Bonjour également à tous nos fidèles auditeurs et auditrices de la Radio Arc-en-Ciel. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes en forme pour redémarrer la semaine avec nous, pour écouter comme tous les matins dans cette émission la séquence du jour avec la lecture et le psaume. Bonjour également à tous les membres du groupe Jésus est mon guide qui font tous les matins un travail formidable. Merci encore et que Dieu vous garde et vous bénisse. Avant de continuer, nous allons écouter un chant qui s'intitule « La sagesse a dressé une table ». La sagesse est un esprit ami
des hommes. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lecture du livre de la Sagesse. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et sa puissance confond les insensés qui la provoquent. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie. Il se détourne des projets sans intelligence. Quand survient l'injustice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes. Mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles, car Dieu scrute ses reins. Avec clairvoyance, il observe son cœur. Il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Parole du Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis. Tu m'en sers. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse. Hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller ? Loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face, je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. On dit que la sagesse est un don de Dieu. Et dans la lecture d'aujourd'hui, dans la Sainte Écriture, on nous dit que la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, et ni habiter un corps asservi au péché. Elle nous dit aussi que la sagesse ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles. Nous avons là quelques éléments pour nous mettre sur le bon chemin. Faisons confiance à la parole de Dieu. Puis il est dit aussi que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse.
Merci les amis d'avoir resté à l'écoute pendant ce petit moment avec la parole de Dieu. C'est la fin de cette petite séquence et j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine dans l'amour et la joie de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous garde tous et vous bénisse, vous et votre famille. Et on se dit à très bientôt. Bonne journée à vous tous. Les amis, on se quitte sur un texte de Sainte Thérèse de Lisieux. Comment je veux aimer, interprété par notre ami Marcel. Divin Jésus, écoute ma prière, par mon amour. Je veux te réjouir, tu le sais bien, à toi seul je veux plaire. Daigne exaucer mon plus ardent désir. Du triste exil, j'accepte les épreuves pour te charmer et consoler ton cœur. Mais en amour, change toutes mes œuvres. Ô mon époux, mon bien-aimé sauveur. Que je réclame, c'est ton amour qui doit me transformer. Mais en mon cœur, ta consumante flamme, et je pourrais te bénir et t'aimer. Oui, je pourrais t'aimer comme l'on aime, et te bénir comme on le fait au ciel. Je t'aimerai de cet amour lui-même dont tu m'aimas, Jésus, Verbe éternel. Sans l'ombre d'un retard, ah, montre-moi ta tendresse infinie et la douceur de ton divin regard. Avec amour, oh, que ta voix m'appelle en me disant viens, tout est pardonné. Repose-toi, mon épouse fidèle. Viens sur mon cœur, tu m'as beaucoup aimée.